Mais oui, c'est clair. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit tutoriel d'art créatif qui vous est présenté par la Gina. Oh, on se retrouve aujourd'hui en mode recyclage des vieux boîtiers CD avec lesquels nous allons réaliser un cadre photo que vous avez tous déjà vu si vous avez Facebook. Alors moi, j'ai choisi de faire un cadre photo dessin, donc on mettra pas des photos, mais c'est le même principe quoi qu'il arrive. C'est pourquoi, si vous choisissez comme moi de faire dessin, commencez par tracer 4 carrés de la taille des petites pochettes qu'il y avait dans les CD à l'époque. Découpez-les et remplissez-les de vos dessins, bien sûr, c'est la première étape. Et ensuite, nous verrons comment coller nos petites boîtes pour faire un cube de photo. Si vous décidez de ne pas faire ça avec des dessins, mais des photos, même principe, vous prenez vos photos. Je pense que c'est meilleur s'ils sont dans le sens de la hauteur. Enfin, un portrait, quoi. Découpez-les à la bonne taille et mettez-les dedans. Mais ça, on verra plus tard. Pour l'instant, dessin. Voilà, une fois que vous avez découpé vos photos à la bonne taille ou fait vos petits dessins, bon là je fais dans le simple pour la vidéo, vous allez prendre vos boîtiers CD et les coller cul à cul, chacun leur tour, en faisant bien gaffe que la partie... Bon, j'ai pris les boîtiers qui traînent dans le garage, ils sont pas de première jeunesse. En faisant bien gaffe donc que la partie qui s'ouvre, dans laquelle on mettait avant le titre des chansons, soit toujours tournée vers l'extérieur. C'est parti, mon kit. Et voilà, une fois terminé, ça a un rendu assez sympathique. Alors, petite astuce, si vous voulez que ça soit plus joli, tout d'abord prenez des boîtes CD qui sont en meilleur état que les miens. Avec des photos, ça rend beaucoup mieux. Et si vous glissez les photos à l'intérieur, et non là où, où était la pochette CD à l'époque, la photo prendra tout le disque, ce qui fait qu'il n'y aura pas la petite bande transparente que moi j'ai laissée, car je vais rajouter des petits noms en italique. Des petits personnages que j'ai mis sur le disque CD. Après, si vous rajoutez un dernier boîtier en dessous, ça vous fera un petit socle et vous pourrez vous en servir comme d'une boîte. C'est magique, c'est magnifique. Donc voilà, petit tuto tout simple qui ne demande pas énormément de matériel ni de temps. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des big bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.